Monsieur le ministre, je vais terminer mes propos par une autre actualité. Konya en a parlé un peu, c'est toutes les attaques dont le président, le RHDP, etc., fait l'objet. On rentre dans les officines, puisqu'on les a infiltrés. Ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. On a des gens parmi eux. Tout ce qu'ils préparent, tout ce qu'ils planifient, pousser des jeunes à faire des montages vidéo, pour être des gabégies, pour être ça, tout ça, sur la base du faux. Des gens qui disent qu'ils sont venus pour faire la politique autrement, mais sont ceux qui attisent les jeunes pour faire la politique sale, la politique démagogique, la politique populiste. Les gens doivent sortir de leur ambiguïté. Parce qu'en réalité, certains veulent jouer sur l'ambiguïté. Ils pensent jouer sur l'ambiguïté, sur tous les sujets, pour tromper les gens, voler l'esprit des Ivoiriens. Mais on va les faire sortir de l'ambiguïté. Il faut qu'ils aient une position claire. Il faut qu'ils aient une position claire. Ils ne peuvent pas être perpétuellement dans l'ambiguïté sur tous les sujets. Et je dis, n'analysez pas seulement leurs discours. Regardez aussi le comportement de leurs collaborateurs. Parce qu'ils disent à leurs collaborateurs d'aller dire ce qu'eux ne peuvent pas dire. Et donc, je dis, le jeu politique a besoin de clarté. Donc tous ceux qui sont dans l'ambiguïté doivent sortir de l'ambiguïté pour que les Ivoiriens sachent exactement qui est qui va faire quoi, qui peut faire quoi, et qu'en connaissance de cause, les Ivoiriens puissent choisir. Pour notre part, continuons à rassembler. Monsieur le ministre, continuons à rassembler. Beaucoup de nos frères du PDCI veulent nous rejoindre. Beaucoup de nos frères du PDCI ont commencé à être désillusionnés parce qu'on leur a vendu une photocopie, mais qui n'est même pas une vraie photocopie. Ils se rendent compte que la photocopie n'est même pas la photocopie de l'original et que la photocopie n'a rien à voir avec l'original. Continuons à ouvrir nos bras, qu'ils reviennent qu'ensemble, fils du feu Boigny, nous puissions continuer à avancer dans la consolidation de la construction de ce pays. Allez chercher tous nos frères qui ne sont pas encore RHDP, qui sont malheureusement encore au PDCI, mais qui se gênent encore, il faut qu'on ait une discussion franche avec eux. La place du PDCI, c'est auprès du président Alassane Ouattara. Je parle du vrai PDCI. Parce que l'histoire retiendra que sous feu Boigny, tous ceux qui parlent aujourd'hui, nos parents, le président Alassane Ouattara et beaucoup de cadres étaient PDCI. L'histoire retiendra que dans sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens, dès 2010-2011, nous étions ensemble jusqu'en 2018 et nous avons travaillé ensemble jusqu'en 2018 pour rendre ce pays tel qu'il est. Et que nous avons dû continuer sans certains. Beaucoup sont restés avec le président Alassane Ouattara pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative à ça. Il ne faut pas que les gars vont venir nous veiller ici. La photocopie qu'on vous présente, en faisant croire que c'est la photocopie de l'original qui est Alassane Ouattara, en réalité c'est du fake, c'est pas la photocopie d'Alassane Ouattara. Ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Les vraies photocopies du président Ouattara sont les cadres qui sont au RHDP et qui travaillent avec lui au quotidien, qui apprennent à travailler avec le président Alassane Ouattara, qui sont à l'école du président Alassane Ouattara et qui sont en train de bâtir depuis 15 années avec le président Alassane Ouattara. C'est ce message de clarification que j'ai voulu donc donner ici à Yamoussoukro et vous demander de travailler toujours pour l'union, l'union. Bravo au ministre Yarasouba, bravo pour ton leadership. Tu fais la fierté du président. Continue, continue pour la victoire du RHDP en 2025. Je vous remercie. Monsieur le